Salam alaikum les gens. Aujourd'hui, j'ai besoin de parler avec vous pour un sujet très très important les gens. Pour vous savoir. Aujourd'hui, on va parler qui a raison. Qui a raison? Parce que c'est un sujet important. Parce que les gens aujourd'hui on savent il y a plusieurs religions, ça existe. Plusieurs religions. Et moi, aujourd'hui, je vous explique pour vous parce que ça fait longtemps que je parle pour les lois de Dieu, je parle pour Dieu, je parle Dieu demande pour nous quoi, etc., etc. On va pas partir pour la liste. De toute façon, les vidéos, elles sont encore sur ma chaîne, vous voir et regarder les vidéos, les gens, et les pas voir. Par exemple, maintenant, moi, je parle pour Dieu. Je parle pour Dieu. On savent, je parle pour Dieu. Il y a des gens, ils viennent sur ma chaîne. Ah. On savent, il y a des prêtres chrétiens. Il y a des prêtres chrétiens, ils viennent sur ma chaîne pour voir. Il y a des imams, ils viennent voir mes vidéos. Il y a des prêtres de synagogue, ils viennent voir mes vidéos. Les trois religieux, il va voir par exemple un prêtre chrétien, il va voir ma vidéo et il va dire, il raconte n'importe quoi. C'est-à-dire un prêtre de l'église, un prêtre chrétien, il va voir ma vidéo, je parle pour les lois de Dieu, je parle pour les lois de Dieu, il va pas d'accord avec moi. Il va dire, voilà. Il va pas d'accord avec moi, il va dire, il raconte n'importe quoi. Et c'est les mêmes choses avec un imam. Un imam, il va voir ma vidéo, c'est lui mon pire, il va dire, c'est une personne, il est pété, c'est une personne, il raconte n'importe quoi. Hein? Un prêtre de synagogue, il va voir, il va. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses, il va pas d'accord avec moi, voilà. Parce que les gens, j'explique pour vous un truc, cet problème est déjà à l'époque existe. À l'époque de Christ et de Moïse. À l'époque de Moïse, et déjà, Moïse est déjà vient avec les lois de Dieu. Avec les lois de Dieu. Et avec les lois de Dieu, et déjà donc pour les prêtres. Et déjà donne pour les prêtres. Les prêtres déjà prennent les lois de Moïse, de Moïse. Les prêtres il est déjà changé le sens de loi, le sens de loi. Ça c'est première chose. Deuxième chose, il déjà rejette des lois. Et déjà rajoute des lois, pardon les gens. Et déjà rajoute des lois. Et c'est les mêmes choses, ça existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a des gens, comme on dit, aujourd'hui, des gens, ils rajoutent des lois. Ils rajoutent des lois. Il existe des lois de Dieu, mais ils rajoutent des lois. Hein? Ils rajoutent des lois. Et c'est les mêmes, aussi, c'est les mêmes l'époque au Christ. Au Christ, c'est déjà le Christ. Pourquoi le Christ est déjà vient à l'époque? Il est déjà vient pour beaucoup de choses. Mais aussi, le Christ, il est déjà vient, et déjà descend sur la terre, parce que les gens, est déjà, comment dire, il est déjà change. Il est déjà change les gens. Il est déjà change le sens de loi. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, les gens. Aussi, les gens, ils déjà rajoutent des lois. À l'époque de Christ. Aussi, à l'époque de Moïse. À l'époque de Moïse. Cet problème, il est tout le temps existe. Aussi, aujourd'hui, on est 2021. Aussi, cet problème, encore aujourd'hui, il existe. Il existe encore aujourd'hui. Il y a des gens, ils rajoutent des lois. Ils rajoutent des lois. Ils changent le sens de loi. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui, comment j'explique pour vous, les gens, ils rajoutent des lois, aussi ils changent le sens de loi.
C'est-à-dire, aujourd'hui, comme on dit, il y a un imam, il va dire, voilà, rapporté par ça, et un loi existe. Hein? C'est-à-dire, c'est les mêmes choses. À l'époque de la Sainte Prophète, et déjà avec le vrai, les lois de Dieu. La Sainte Prophète. Après, pour l'amour de elle, à l'époque, pour l'amour de elle, après les gens déjà prennent les lois de la Sainte Prophète, et déjà les gens rajoutaient des lois sur le cahier de la Sainte Prophète, encore deuxième chose, et déjà, aussi les gens déjà changent le sens de loi. À l'époque, la Sainte Prophète, il n'est pas créé beaucoup de lois. Ça, et jamais la Sainte Prophète déjà rajoute des lois, Dieu ne l'a jamais dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, ils prennent pour des saints, pour des prophètes, etc. Parce que, j'explique pour vous un truc, les gens, ça c'est extrêmement grave. Ça, c'est extrêmement grave. Si on savait trois époques, c'est-à-dire l'époque de la Sainte Prophète. Déjà, la Sainte Prophète, et déjà, des gens prennent les lois de elle, et déjà, les gens déjà rajoutent des lois, et déjà changent le sens des lois. Encore plus, à l'époque de Moïse, Moïse il vient avec les lois. À l'époque, les prêtres avaient, à l'époque, les prêtres de synagogue, comme on dit, les prêtres de synagogue, et déjà, change le sens de loi et déjà rajoute des lois. C'est les mêmes choses aussi pour les aussi à l'époque de Christ. À l'époque de Christ, comme on dit, à l'époque de Christ, les prêtres les prennent pour des Hébreux. Le Christ à l'époque, comme on dit, ils scannèrent des personnes, ils savent ce qui est hébreu, ce qui est pas hébreu. Aussi à l'époque, pourquoi le Christ à l'époque, tout le monde contre lui? Pourquoi? Parce que personne n'est déjà d'accord avec lui. Pourquoi le Saint-Prophète est déjà mort martyr? Pourquoi le Christ est déjà mort martyr? Pourquoi Moïse après Moïse? Voilà. Pourquoi les prophètes à l'époque mort martyr? Parce que personne n'accepte leur loi. Leur loi, elle vient par Dieu. Parce que les prophètes, ils parlent avec Dieu, ils parlent avec les anges, ils font des rêves, ils savent beaucoup de choses. Hein? Ils savent beaucoup de choses. Les gens à l'époque, ils n'acceptent pas les lois, ils viennent par Dieu. Les gens à l'époque, comme on dit, ils écoutent les imams, ils écoutent les prêtres de synagogue, les prêtres chrétiens, etc., etc. Personne est déjà avant prendre la défense des prophètes. Aussi aujourd'hui, on vit les mêmes choses, les gens. On vit les mêmes choses. Les prêtres, ils prennent, comme on dit, les prêtres de les lois, c'est-à-dire les prêtres, comme on dit, pour les prêtres aujourd'hui, pour eux, il y a une grande place. C'est-à-dire, pour eux, manque pas le respect d'eux. C'est-à-dire, respecte eux, c'est eux, tout nana, etc., etc. Mais on va voir les gens, pour les imams, pour les prêtres chrétiens, pour les prêtres synagogues, leur loi, c'est faux. Leur loi, c'est faux. Leur loi, c'est faux. C'est ça que j'explique pour vous, les gens. C'est pas pour rien, les gens, j'explique pour vous un truc. C'est pas pour rien. Il y a un secte pour la fin, il va gagner. C'est la secte de Dieu. La secte de la vraie loi de Dieu. Pourquoi on voit beaucoup de sectes? Pourquoi? Parce que tout le monde déjà rajoute des lois, il y a des gens qui déjà changent le sens des lois, etc., etc. On ne va pas partir pour la liste, les gens. C'est un exemple pour vous, ça. C'est ça pourquoi aujourd'hui les gens ne suivent pas. Ils ne suivent pas ni prêtres, ni prêtres chrétiens, ni prêtres de synagogue, ni prêtres, ah, ni imams. Ni imams. Pourquoi? Parce que toutes les religions, tous les jours, elles rajoutent des lois. Elles rajoutent des lois, elles rajoutent des lois, elles rajoutent des lois, elles changent les sens des lois, etc., etc.
Aujourd'hui, c'est ça pourquoi les gens, leur mental, ils ne suivent pas. Pourquoi leur mental ne suivent pas? Pourquoi il y a des gens aujourd'hui, les marquent pour partir, pour l'église, pour la mosquée, etc. Pourquoi? Par rapport à ça, parce que tout le temps, nouveau loi, ça rapporté par ça, fait ça, fait ça, fait ça, rapporté pour ça, là, etc. Les gens, après, ils ne suivent pas leur mental et il fait galop. Il fait galop. C'est ça pourquoi les gens aujourd'hui, ils les marrent pour partir en religion, ils les marrent pour écouter ni, ils les marrent pour écouter les imams, les marrent, il y a des gens, ils les marrent pour écouter leurs prêtres. Parce que leur mental, c'est bon, c'est bon. Leur âme, ils les marrent, ils les marrent, ils les marrent tout le temps. Nouveau loi, nouveau loi, nouveau loi, nouveau loi. Rajoute des lois, rajoute des lois. C'est ça, j'explique pour vous, les gens. C'est les mêmes choses, il va répéter pour cette vie. C'est-à-dire, à l'époque, le Christ, il vient pour ça. Il vient pour ça. Et à l'époque, il vient. Et avec le Christ, à l'époque, pourquoi il vient? Pour réparer. Réparer les lois de Dieu. Parce que les lois de Dieu, avant, il est déjà cassé. Avant, tout le monde à l'époque est déjà rajoute pour tous les gens à l'époque, déjà rajoute des mots sur les lois de Dieu. Et c'est les mêmes choses aujourd'hui, les gens. Les mêmes choses aujourd'hui. Les mêmes choses aujourd'hui. Aujourd'hui, on regarde les gens. On regarde aujourd'hui les gens. Ils parlent pour Dieu, etc., etc. Mais on part voir toutes les choses qu'ils racontent pour nous, c'est fou. C'est fou. Parce qu'eux, ils savent qu'il va partir dans l'enfer, mais je prends avec moi deux mondes. Deux mondes. C'est ça que j'explique pour vous, les gens. Pour la fin, les gens. Pour la fin, ça va être ça. Pour la fin, le Christ, il va venir. De toute façon, il est là. Il est là, il est présent, il est sur la terre. Il va réparer les lois de Dieu, mais aussi, il va réparer vous. C'est-à-dire. Comme on dit, on savent, c'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes choses. C'est ça que j'explique pour vous, les gens, pour vous savent. Le Christ, il vient pour cette vie, parce que des gens, ils vont regarder et dire, j'y raconte n'importe quoi. Mais tant pis, écoute pas moi. Moi, j'ai fait mon travail. Après, pour toi, crois, on me croit pas, j'en bats les couilles de toi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est ça, les gens, j'explique pour vous. Les gens, faites attention. Moi, j'étais pour vous. Calife Blois, il donne pour vous, il donne pour vous un conseil. Faites attention, vous, écoute quoi? Faites attention, vous, quelle religion pratiquez? Attention, écoute qui exactement? C'est pas parce qu'il est prêtre, c'est pas parce qu'il est imam, c'est bon, c'est un croyant de Dieu. Non, non, c'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes choses. Ça, c'est facile. Moi, demain, je prends là-bas, je prends ça et je commence par et je commence à rentrer la thune. C'est facile, ça. C'est facile. Demain, comme ça, c'est bon, je viens riche. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Parce que moi, je reste simple. Comme ça, j'habille normal. Il y a pas de manière. Il y a pas de manière. C'est ça que j'explique pour vous, les gens. Fais attention. Écoute qui. Fais attention. Suive qui. Fais attention. Parle avec qui. Parce qu'aujourd'hui, j'explique pour vous un truc. Aujourd'hui, tout ça fonctionne sur l'argent. Si tout aujourd'hui, ça fonctionne sur l'argent. C'est ça que j'explique pour vous, les gens. C'est ça pourquoi l'imam a dit il va venir pour la fin des temps. C'est ça pourquoi le Christ est venu pour la fin des temps. C'est ça pourquoi la femme est sainte et les prophètes, ils vont retourner pour la fin des temps. Ça, j'explique pour vous, les gens. Mais de toute façon, tous les prophètes, il est là maintenant. Les saints, il est là. Le Mahdi, il est là. Le Christ, il est là. Il y a un temps. C'est tout, il y a un temps. Parce que maintenant, il y a pas on voit maintenant, rien n'est passé. Rien n'est passé. Mais à bientôt, vous allez voir. Il y a le temps il accélère et le temps il passe vite.
et vous va voir, vous va voir. Et ça va être pas les mêmes choses, les gens. Ça va être pas les mêmes choses. Mais ça, pour le retour des saints, ça va être pas comme à l'époque. À l'époque, les saints, ils viennent pour réparer les lois de Dieu. Mais aussi, les saints, maintenant, pour cette vie, ils viennent réparer les lois de Dieu. Mais aussi, il va venir occuper pour des gens. Et c'est pas occuper des gens gentiment, non. Ça va être la méchanceté. Et ça va être chaud patate, les gars. Ça va être chaud patate. Vous va voir, moi j'ai dit pour vous, vous va voir, c'est qui le prophète. Parce que tout le monde est déjà, tout le monde est prêtre chrétien, imam. Un prêtre de synagogue vous déjà raconte pour vous n'importe quoi sur les saints. Vous allez voir ce qu'est le vrai saint. Vous allez voir ce qu'est le vrai saint. C'est ça que j'explique pour vous. C'est ça que j'explique pour vous. Parce que vous ne connaissez pas les vrais saints, c'est quoi? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous allez voir ce qu'est les saints. C'est qu'il est ça. C'est ça mon message pour je passe pour vous aujourd'hui. C'est tout pour vous savoir parce que cette vidéo, parce que pourquoi j'ai déjà fait, parce que beaucoup de personnes sont contre moi. Il y a beaucoup de personnes, elles sont contre moi et ils n'aiment pas les lois. Les lois, je les donne. Les lois, je les donne pour mes abonnés, pour les gens. Parce que moi, les gens, j'explique pour vous, moi je donne des lois pures. Des lois pures. Moi, je ne demande rien. Moi, je demande rien. Moi, je demande rien. C'est ça que j'explique pour vous. C'est pas moi en personne comment j'explique pour vous un truc, les gens. Pour vous, savent. Moi, j'ai déjà offert du pu. Après, maintenant, j'ai. De toute façon, moi, c'est en personne, je force pas. Il n'y a pas de truc. C'est bon. Tout fermé. Salam alaikum, salam alaikum. Il n'y a pas de personne, je suis, nanana, etc., s'il vous plaît. Non, non. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Moi. J'ai fait Fisabilla. J'ai fait ça les vidéos. Fisabilla. Fisabilla. J'ai pas des hasanat. Ça, c'est la base. La base fait des vidéos, travaille pour Dieu, c'est la base. Il n'y a pas de rajouter des hasanat. Ça n'existe pas aux yeux de Dieu. Ça c'est la base. Moi, je donne les lois pures. Les lois pures. J'ai donc pour vous quelle prière prie. J'ai déjà parlé avec vous quelle prière prie. J'ai déjà donc pour vous. J'ai déjà donc pour vous quel Dieu vous adore, le vrai Dieu, le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui adorent le vrai Dieu. Et c'est ça que j'explique pour vous. C'est ça que j'explique pour vous, les gens. Moi, maintenant, j'ai arrêté avec vous cette vidéo. Et réfléchis bien. Et fais attention, vous suivez qui? Parce que vous ne suivez pas n'importe qui. Vous va suivre n'importe qui après. Après, voilà. Après arriver pour voir un truc. Ça, c'est votre faute. Ça, vous déjà pratiquez un religieux. Dieu, il n'aime pas. C'est ça que j'explique pour vous. Moi, les gens, j'explique pour vous un truc. Parce que je sais, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, comme on dit. Il y a beaucoup de gens, ils vont demander cette question. Mais moi, je réponds pour vous. Vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Moi, les gens, j'ai souffert en cas secte. Pour moi, il y a ma secte personnelle. Ma secte personnelle. La secte, j'ai souffert. Un secte, il n'y a pas de beaucoup de gens. Parce que c'est la vraie secte. Et c'est la secte vraiment, vraiment, elle fait mal. Elle fait mal et c'est difficile. C'est ça que j'explique pour vous. C'est ça ma réponse. Après, réfléchissez bien, travaillez votre cerveau et faites attention, vous suivez qui? Ne suivez pas n'importe qui. Et pratiquez pas n'importe quoi, n'importe qui, loi. Ah oui, c'est ça que j'explique pour vous. C'est ça que j'explique pour vous. Toutes les lois, vous pratiquez maintenant, c'est faux. Moi, j'ai donc pour vous la certitude. J'ai donc pour vous la certitude, vous, quelle religion vous pratiquez. Pour crois-moi, crois pas moi, c'est votre choix. C'est votre choix. C'est votre choix, les gens. C'est ça que j'explique pour vous.
Bon, comme on dit, moi je suis la vraie religion. C'est ça. On va dire à bientôt. Et travaille pour cette vidéo, les gens. Après, à bientôt pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, bihawlillah. Wassalamu alaikum. Et travaille bien, les gens. Travaille bien. Salam alaikum.